Penza, l'omelette. D'ailleurs, vous êtes en train de dire, on a dit dans le cul de Manocon, chef. La famille. Au moins, la promotion, le son, il est bon. Hein. C'est pas parce qu'on tague le Manocon chef quelque part que le Manocon chef va prendre ça mal. MC Bright, je te vois t'agiter. Moi, je ne m'agite pas avec toi. Non, c'est mon bindi. Je ne peux pas m'agiter avec toi. Je ne vais pas te balconiser parce que je trouve déjà mon point, c'est mon point de vue, hein, parce que le son est sur YouTube. Le couplet de Fetindos, c'est un couplet monstre. Le couplet de Fetindos, c'est un chef-d'œuvre. Donc je considère que mon petit, oui, parce que Fetindos, c'est un membre de la Badocon Gang. Fetindos, t'as déjà assez fumé dans le son. MC Bright, je connais ton attachement avec les jeunes premiers. Hein. La bande à Idrissa, machin. Je connais ton attachement avec les jeunes premiers. Donc, pas gentil. Du coup, ta position ne me fait pas mal. Non, j'ai pas mal, en fait. Tu es la bande à Chango, c'était genre. Donc, je vais même pas me focaliser sur toi. Fetindo, ça a déjà tout fait. Il t'a fumé dans le son. Le son, là, il t'a fumé. Le son est là. Hein. On écoute Fetindo, ça. Il t'a balocolisé. Et dire aux deux gars qui sont dans la piscine, là. Les Westés, là. Aombu Penza, je sais pas. C'est ça en fait, voilà pourquoi j'aimerais que vous arriviez à dissocier Yann du Badocon en chef. Parce que vous êtes toujours là dans un monde où. Ah, Badocon en chef, Badocon. Écoutez-moi bien. Si Romain Molina, c'est pas vos journalistes de la RTG chaîne 1, c'est pas vos petits journalistes de pacotille. Si Romain vient tamponner le Badocon chef pour walk avec. C'est un Ouattara. Le Ouattara ne vient pas tamponner n'importe qui. Le Ouattara ne speak pas avec n'importe qui. À mon anniversaire, je serai avec mon type Romain Molina. Vous montrez que c'est pas. On parle de nous partout. Le phénomène du football est allé jusqu'à Kémy Séba à parler. Donc, c'est pour vous dire, hein, à Aombu Penza et à tous les joueurs de l'équipe nationale, parce que vous dites entre griffes que le Badocon chef a pour habitude de parler de la vie privée des gens. Moi, mon problème, c'était de rendre les kwaïs, tous les kwaïs des joueurs de l'équipe nationale lassants. Aombu Penza, Badocon chef, ne ment pas. Ton kwaïs a souffert dans l'histoire. Là, on est là. Tu le sais. On t'ambite partout. Partout. Tu sais ça, Aombu Penza. Et quand je te vois, Andy Maniaga, qui est avec toi là, c'est le neveu de Blaise Wembe. C'est le neveu de Blaise Wembe. Mauvais Westo. Parce qu'on dit Maniaga là, je ne sais même pas. Donc, t'es pas encore un joueur genre en mode non. Mais dans de vous à moi, regardez. On sent les Westés. On ne parle pas beaucoup. Regarde la vidéo. Regarde comment il crie. On sent un vrai Westé quoi. Vous dites on sent les Westés. Bon. Dans votre West Coast là, parce que moi je vois deux Westés, je peux en déduire que c'est Aombu Penza qui te fout. Parce que deux Westés, Aombu Penza, mon petit, c'est pas parce que. Tu le sais, je le sais, le Gabon le sait. Je n'invente aucune histoire. Toi, tu es pas comme les Stéphane Guéma, les machins, les gens qui ont là bousillé le Kwaïs. Tu le sais. Arrête de mentir. Hein? Tu es une waka dans le game. Donc, moi, mon problème, quand je suis venu parler du phénomène de la West Coast au sein de l'équipe nationale, ce n'était pas pour parler de vos tierces personnes. C'était pour protéger nos petits frères ou nos enfants. Parce que ce phénomène-là, vous avez voulu entraîner cela afin que cela impacte. Parce que oui, au Gabon, des vestiaires de l'équipe nationale jusqu'à la présidence de la République, c'est la West Coast. Or, il y a les joueurs gabonais talentueux qui ont perdu l'opportunité de jouer au football à cause de vous, parce qu'ils ont refusé de donner le quiz. Ça, c'est le Badocon chef qui invente. Entre vous-même dans l'équipe nationale, on vous ambite. Vous êtes en train de vous mbite entre vous-même. C'est le Badocon chef qui invente. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez de blaguer. Ce qui vous fait mal, c'est que le Badocon chef toujours pointe du doigt avec la Badocon gang. On pointe du doigt sur les maux de la société. Nous ne sommes pas là pour vous indexer. Nous sommes là pour éveiller les consciences et afin d'avertir et de dire aux gens qui vous bousillent les couilles que cette histoire-là, on ne veut plus de ça. On a besoin des jeunes talentueux. On a besoin des footballeurs gabonais avec les couilles sains. Avec les couilles sains. Grâce à la Badocon gang. Même si vous n'êtes pas allé loin. Vous n'êtes pas allé loin de la Coupe d'Afrique là. Mais au contraire, on vous a accueillis comme des rois.
Parce que la Badokongeng a remarqué, avec le match contre le Ghana, contre le Maroc, suite à, et avec le Burkina Faso, que c'est grâce à nous que les gens là, ne montaient plus dans vos champs pour vous mettre. Pour vous mettre, autant que vous êtes. Nous ne sommes plus là pour dire qu'on va blaguer. On ne blague pas. Parce que le football, c'est le sport roi. Beaucoup de nos jeunes frères ont mis leur vie dans le football, leur espérance dans le football. Mais on vous prend, comme c'est la West Coast, comme ça vous me bétonnez vous-même. Vous prenez ça au premier degré, ou bien au centième degré. Moi, mon but, hein, et le but de la Balcon gagne, c'est que dans l'équipe nationale, là, on doit avoir les caissins. Hein? Vos caisses de la West Coast, là, vous arrêtez ça. Maintenant, vous prenez ça bien ou mal, c'est pas mon pétard. C'est pas le pétard du Balcon chef. Ça, je vous le dis, afin que vous puissiez imprégner ça dans vos têtes. T'as moi Sean Brydon ici, là. Sean Brydon. Le rat va te parler. Le rat. Comme c'est toi la Lamborghini et moi le Balcon chef, je suis le rat. C'est pas grave. Moi le Balcon chef, hein. C'est pas les conneries comme ça qui peuvent genre m'empêcher de dire ce que je pense. Mais avant d'arriver sur le phénomène de Sean Brydon, j'aimerais d'abord édifier à toutes les personnes qui interprètent le Balcon chef. Parce que moi, quand on me voit, oh, il se mêle de la vie privée des gens, oh, il parle. Machin. Le Balcon chef ne parle pas de n'importe qui, n'importe comment. Faut arrêter de faire ça. Parce que quand nous avons commencé le phénomène des placements, on a eu à évoquer le petit pota au niveau du Gabon. À cette époque, qu'est-ce que les Gabonais disaient? Le Balcon chef fait le Congo ça. Et maintenant, quand c'est devenu international, toutes les pages et tous les influenceurs gabonais qui me traitaient, parce que me traitaient moi de Congosseur, c'est traiter ma Badokon gang de Congosseur, ont relayé ça. Parce qu'on n'est pas prophète chez soi. La Badokon gang n'est pas là pour plaire à tout le monde. La Badokon gang n'est pas là pour faire les directs. Non, nous on est là pour l'exclusivité. Hein? C'est devenu un phénomène mondial, mais le monde entier retient une chose. Le phénomène du potipot a été créé par la Badokon gang. C'est là où il y a eu des vrais témoignages et des révélations. Ça, le monde entier retient cela parce que c'est posé, les vidéos sont là. Aujourd'hui, dites à Sean Brydon de s'asseoir. Sean Brydon, tu n'es pas mon ami hein, et tu n'es pas mon chef. Tu ne me commandes pas. Je ne suis ni sur ton influence, téléguidé par toi, Sean Brydon. Tu sais, on a vu tout ton parcours. Hein. On a vu comment tu as commencé. Parce que je me rappelle à l'époque, moi, comme moi je t'ai connu personnellement, c'était avec le son, « Hey, biga! Hey, biga! » J'étais pas cité au state ou quoi. J'étais en train de crier, « Hey, biga! Hey, biga! » On était en train de te filmer avec un téléphone. Le son a passé à Télé Africa. Je me disais que lui-là, c'est qui? « Hey, biga! » En fait, tu vois, quand je me rappelle de l'époque, la Sean Brydon, ça me fait penser au groupe Tragédie. Il chantait, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Genre, en bas du bâtiment. Toi, tu étais là, on te filmait avec le téléphone là-bas. Hey, miga! Hey, miga! C'est comme ça que moi, le Balcon chef, moi, je t'ai connu. Suite à cela, tu as fait beaucoup de petits sons là qui passaient à Télé Africa. Du coup, artistiquement, Sean Brydon, tu n'as pas fait des bangers. Au Gabon, on ne te connaît pas en tant qu'artiste. Tu n'as pas fait des bangers. Quand on dit que voilà, tu as fait un banger qui a fait danser tout le Gabon. Non. Tu as fait des petits sons que certaines personnes ont eu à kiffer, mais tu n'as jamais eu à faire des bangers. Parce qu'aucune personne ne pourra me dire que voilà le banger que Sean Brydon a eu à faire et que le Gabon entier a dansé. Donc, on connaît beaucoup de petits artistes gabonais qui n'ont même pas ta visibilité, qui ont eu à faire des bangers au Gabon. On connaît. Suite à cela, tu es venu maintenant sur Facebook. En arrivant sur Facebook, tu as fait certains trucs, tu as fait, en 2017, hein, si je ne me trompe pas, en 2017, tu as fait certains, tu faisais des petits challenges, machin, c'est là où j'ai commencé à, donc, du coup, artistiquement, moi, je ne te voyais pas. Donc, quand tu n'as pas fait des bangers au Gabon, quand tu connais, non. Pour qu'on soit clair, on se dit les vérités, frère. Mais c'est là où ça a commencé à nourrir ta page. Et suite à cela, on a eu Yaya Vitch qui est arrivé. Et du coup, ta page a explosé. En fait, tu as franchi les barrières avec Yaya Vitch. On n'est pas là pour se mentir, il faut qu'on se dise les vérités. En fait, votre collaboration, pour moi, cette collaboration m'a marqué.
Parce que j'ai vu deux Gabonais ensemble travailler main dans la main. Et c'est là où ça a percé, bam, 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 bam. Aujourd'hui, Sean Brydon, tu pèses lourd. Tu pèses très lourd. Et ça, parce que beaucoup de personnes te disent, oui, Baloko en chef, pourquoi tu veux venir parler de Sean Brydon? Tu vas perdre en crédibilité, tu vas perdre en machin. Quand le Baloko en chef est venu parler de Morgan, quand le Baloko en chef est venu parler de Princesse Teke, quand le Baloko en chef est venu parler d'Ida Moulaka et toutes les personnes que le Baloko en chef a eu à citer, c'est que le Baloko en chef, moi, je suis dans une optique. Je suis là pour dire la vérité. Je ne suis pas là pour blaguer. Je suis là pour partir en profondeur et venir illustrer devant les gens. Parce que sur Internet, on commence à prendre n'importe qui comme modèle et pour modèle. Et moi, quand je regarde, j'observe, je mène les investigations. Je fouille. Je m'a fouillé pour savoir que voilà, est-ce que celui-là est fiable ou pas. Sean Brydon. Sean Brydon. Je me suis mis à aller faire un peu. Hein. Toi, Shani, à une époque, j'étais comme ça là. Allongé comme ça là. Avec la faim. Avec la faim. Avec la faim. À une époque, on t'a tous vu, devant nous tous. Tu es un natif de Kingele. Tu es un natif de Kingele. Aujourd'hui, les gens te voient, tu es à Dubaï. Tu es dans les grands ways. Tu pètes, tu pètes. Et quand je fais la publication, les gens se disent, bah, de quoi en chef va venir indexer Sean Brydon ou rabaisser Sean Brydon. Non. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo hein, afin de vous dire cette chose. Sean Brydon a eu un parcours. Sean Brydon a eu un parcours devant nous. Sean Brydon s'est battu pour avoir une image. Sean Brydon a eu à faire des dons aux orphelinats, a eu à construire des logements. Sean Brydon est un exemple. Vous comprenez? Parce que dans votre tête, j'étais en mode, ouais, ben le camp chef va venir. Non. Mon but dans cette histoire, c'était de venir vous faire comprendre aux Gabonais qu'il y a influenceur et influenceur. Sean Brydon, ce n'est pas les Morgan qu'on ne le sait pas. Où Morgan a eu l'argent, ou tel machin. Sean Brydon devant nous, quand il dit sa carrière musicale, nul. Il a su jouer au foot, nul. Parce qu'il n'a pas percé là-bas. Mais il est venu dans le monde du blogging. Et aujourd'hui, grâce à la monétisation de sa page et ses activités, Sean Brydon a monté. Que je peux m'asseoir là hein, pour fouiller. Parce que j'ai fouillé pendant un mois et demi. Moi, le Baloko en chef. J'ai fouillé pendant un mois et demi. Sean Brydon est clean. J'ai eu les petits trucs, hein, les palabas qu'il a eu avec les gars, les palabas. Ça, c'est pas mon but. Je suis pas là pour exposer ça. Mais c'est pour dire aux gens que le Baloko en chef n'est pas seulement celui qui vient là pour détruire. Non. Parce que si Sean Brydon avait un web bizarre, j'allais m'asseoir ici et dire Sean Brydon, voilà, 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 voilà. Et je suis fier. Je suis fier et je suis content de dire aux Gabonais que Sean Brydon, c'est quelqu'un à suivre. Sean Brydon mérite mon respect. Je ne dis pas qu'il est parfait. Il a ses qualités, il a ses défauts. Mais il n'y a rien dans ton mot ouvert qui implique Sean Brydon dans les ways louches ou les ways bizarres. Enlevez ça de vos têtes. Il n'y a rien dans ton mot ouvert. Le but de la publication, c'était pour voir un peu le tempérament de tout un chacun. Parce qu'on se dit à chaque fois que quand le Baloko en chef publie, donc en fait, pour vous, je ne parle pas de mes vrais Baloko, mes vrais Baloko savent qui je suis. Mais pour certaines personnes, en fait, mon image est la suivante. Celui qui est ce monde-là pour détruire la vie privée des gens, exposer les gens, montrer aux gens, machin, non. Je sais aussi venir dire les vérités. Je sais aussi reconnaître quand quelqu'un fait du bien. Et Sean Brydon. Chapeau, respect. Tu comprends? Je ne suis pas là pour te dire que je vais venir te caresser les testos. Je ne suis pas tanga. Mais moi, je dis, comme j'ai dit aux autres là, voilà quelqu'un, on a un parcours. Sean Brydon, on a nous tous son parcours. Et si nous-mêmes, Gabonais, nous n'arrivons pas à mettre Sean Brydon en haut et observer comment les autres nationalités mettent Sean Brydon en haut,
c'est que nous-mêmes Gabonais, nous sommes des sorciers. Et moi, je ne m'accepte pas, je ne me considère pas comme un sorcier. Donc, ne croyez pas que j'allais venir faire ce live pour venir dire Shane Bryden et machin, Shane Bryden. Non, 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 le parcours de Shane Bryden est traçable. Shane Bryden est parti de rien jusqu'à bâtir un empire. Il n'y a pas un truc. J'ai fouillé, il n'y a pas. Il n'y a pas un way, il n'y a pas un machin. Il s'est bâti. Et c'est pour cela, je dis respect. Il doit être une source d'inspiration. Il doit montrer dans le monde du blogging Gaboma qu'on peut faire des choses. Peu importe, les gens disent oui, il achète des vues. Oui, il achète. Peu importe ce qu'il fait, il est qui il est. Il est qui il est. On va tout raconter, on va tout dire. Ce dernier est ce qu'il est. Et ça, on ne pourra jamais enlever ça aux gens. Même moi-même, le balcon chef, je ne vais pas venir m'asseoir pour venir créer un bad buzz pour l'insulter. Non. Mais je voulais voir. Je voulais voir. Dans la vie, il faut toujours voir. Le point de vue des Gabonais. Quelle pensée certains Gabonais avaient à mon égard. Quelle pensée certains Gabonais avaient à l'égard de la Balokon Gang. Et ça, non. Ça, non. Enlevez-vous dans la tête que le Balokon chef vient pour nuire aux gens. Hier, j'étais sur le live TikTok de Nkulu le Général. Nkulu le Général. Je suis allé là-bas, je suis allé parler. C'est pour vous dire, hein, je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. J'ai d'abord une ligne de conduite. Ma Balokon Gang m'a inculqué une ligne de conduite. Pourquoi moi, le Balokon chef, moi, je ne suis pas parfait. Je n'ai jamais dit aux gens que j'étais un modèle. Mais j'évite ce que j'évite et ce que je n'aime pas. C'est quand des personnes qui n'en valent pas la peine viennent sur la place publique pour venir raconter des bouillies. Shane Bryden ne parle pas. C'est son argent qui parle. Shane Bryden ne parle pas. C'est les actes qu'il pose qui parlent. Shane Bryden n'est pas parfait. Hein? Ne me dites pas non, non, non. Il n'est pas un peu parfait. Pour moi, il n'est pas un peu parfait. Mais il a montré quelque chose. Shane Bryden a fait en sorte que le drapeau Gaboma soit exporté à sa manière. Et il mérite notre respect. Pour moi, le Balokon chef, il mérite mon respect. Donc, ce n'est pas un truc que je vais venir dire que créer une... Non, 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 non. C'était pour voir. Et aujourd'hui, tout le monde... Enfin, ça, c'est mon point de vue. J'ai fouillé, hein, avec tombeau ouvert. J'ai fouillé. Je n'ai rien trouvé sur Shane Bryden. Donc, pour moi, Shane Bryden est clean. Pour l'instant, pour moi, Shane Bryden est clean. Il est clean. Donc, et quand aussi quelqu'un est clean, faut venir sur la place publique dire que voilà, j'ai mené les investigations, ce dernier aussi est clean. Comme je viens me voir à les gens, quand c'est aussi clean, je dois venir devant les gens et dire qu'il est clean. Et là, je peux rassurer à tout le peuple gabonais, Shane Bryden est clean. Il part à Dubaï aussi avec son argent. Il produit des jeunes gabonais. Il construit des maisons pour les gabonais. Il donne des dons aux orphelinats. Il s'occupe aussi de la production artistique de plusieurs gabonais. C'est louable et c'est respectable. Shane Bryden, ton sale couaille, mais tu as mon respect. Je ne suis pas là pour te dire que je, non, je vais te faire les atalakou. Hey, moi, je suis là pour dire la vérité. Connaître la vérité affranchie. Et moi, je ne suis pas là pour blaguer. Et la vérité, moi, c'est comme ça. Reste tranquille là-bas. Continue. Évite de venir tomber sérieusement dans le tombeau ouvert. Parce que je serais, si tu tombes dans le tombeau ouvert, Shane, c'est le même balocon que tu vois en train de te parler en jaune banane là. C'est le même balocon là qui va te baloconiser sec. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire au peuple gabonais, c'est que Shane Bryden est un exemple. Encourageant notre frère, partageant notre frère, supportant notre frère. Parce qu'il a appelé à faire des grandes choses. Et en fait, il nous montre qu'on peut quitter de rien. C'est ça. C'est le parcours qui m'intéresse. C'est son parcours qui m'intéresse. Partir de rien et bâtir un empire. C'est la leçon que je tire de Shane Bryden. Un enfant de Kingston, Game Man, bizarre. Mais il est parti de rien pour bâtir un empire. C'est la seule chose qui intéresse le Balokon chef. Le reste, ça, c'est les bisozos. Donc, si vous ne voulez pas que le Balokon chef parle de vous, soyez comme Shane Bryden. Hein? Devant tout le monde, vous montrez que vous avez évolué devant nous tous. Ce n'est pas quelqu'un du jour au lendemain, on te voit sur TikTok, ou du jour au lendemain, on te voit sur Facebook. Montrez comme Shane Bryden. Shane Bryden n'a rien à dire. Donc, ne croyez pas que je vais venir en disant non, 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 non. Le chanvre n'enlève pas la conscience. Allez, vos sales quoi, ils se bougent.